Il est con, lui. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Maud. Je ne suis pas là pour le moment. Si, je suis là, mais tu me déranges pendant que je fais rien. Oui, bonjour, mademoiselle. Au revoir. C'est madame Brignard, de tout pour le bureau. C'est votre patronne, c'est gentil d'appeler, hein. Non, c'est relou. On m'a dit que vous étiez encore malade. Bah oui, mais t'as jamais eu de gueule de bois, peut-être. Il faut avouer que vous êtes quand même souvent malade, hein. Oui, bah il y a souvent des épisodes de Friends, voilà. Faudrait penser à vérifier si vous n'avez pas une maladie chronique ou... Ah mais j'ai une maladie chronique, ça s'appelle la flemme. Lundi, on reçoit les nouveaux post-it à ranger quelque part. Bah on regardera dans ton cul s'il y a de la place. Je suis également ravie de vous apprendre que dès lundi, nous recevons la toute nouvelle collection de ciseaux. Ah, bah justement, je me disais que j'en ai rien à foutre. Et alors, grande nouvelle, les nouvelles agrafeuses sont enfin arrivées. Grande nouvelle? Mon Dieu, si ça c'est une grande nouvelle, ta vie est épouvantable. J'espère vous recevoir lundi dans mon bureau. C'est ma démission que tu vas recevoir. En attendant, je vous appelais donc pour prendre de vos nouvelles. Bon, je peux finir mon épisode? À voir si vous allez mieux. Je vais mieux quand t'es pas là. Si vous êtes guéri. Oh, mais raccroche! Vous avez vu un médecin? Raccroche! Oui, raccroche! Bon, boring! On en a rien à foutre de ce que tu dis! Rendez-vous et je vous vois depuis le début. Madame Mignard! Ça, quoi? Je suis virée. Ben oui, c'est de bonne guerre. Je peux quand même avoir la soupe? Vu les gestes grossiers que vous me faites avec vos majeurs, j'imagine que c'est non? Abonne-toi et puis suis-moi sur Instagram. Wouh! Super chanson!